Rappelez-vous bien que Dieu veut nous chercher pour nous amener au ciel. Et il revient pour nous chercher. Il faut jamais l'oublier, ça, mes amis. Jamais. Dans une assemblée où on ne vous parle pas, où on ne vous parle pas de l'enlèvement de l'église, quittez-la. Vous faites quoi là-dedans là? Vous êtes des vapeurs. Le temps ne nous appartient pas. Nous sommes liés au temps et Dieu nous dit, sortez de là. Jean a vu que la terre d'à présent sera détruite. Et là, Pierre l'a dit. Il a vu que le ciel et la terre avaient disparu. Ça veut dire quoi? Toutes nos maisons, vos villas, piscines, vos véhicules, tout ce que vous avez construit dans la souffrance, toutes ces choses seront balayées. Ton gros 4x4, le matériel est devenu Dieu. L'argent a remplacé Dieu. Le Seigneur a dit, là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, les gens s'assemblent autour de l'argent monnaie, de la naissance au ciel. Voilà notre marche, voilà notre appel, de la naissance au ciel. Nous nous acheminons vers le ciel, notre destination finale, le ciel. En fait, quand nous mourons, nous rentrons à la maison. Alléluia! Nous sommes sortis de Dieu, nous repartons vers Dieu. Alléluia! Mes amis, oh, soyez fortifiés. Parce que nous avons d'avoir donné nos vies à Christ. C'est une grâce que nous avons d'avoir à nous la vie éternelle. C'est une grâce que nous avons, mes amis. Nous ne mourrons pas, nous quittons ce corps de malheur, de souffrance. Et nous rejoignons le ciel. Ce n'est pas la révélation des hommes. Ce n'est pas l'amitié des hommes, frères et sœurs. Ce n'est pas la collaboration avec les hommes, avec les grands de ce monde. Non, pas du tout. Mais la terre vomit les hommes et les femmes qui marchent avec le ciel. Qui marchent avec, mes amis, un regard fixé sur le ciel. Oh, alléluia. La parole nous appelle à aller vers la course, à courir, mes amis. Nous sommes sur un terrain. Nous sommes comme des lutteurs. Nous sommes comme des combattants. Frère, nous luttons, nous combattons chaque matin, chaque soir. Face au rocher, ne regardez pas aux gens qui t'attaquent. Tu vas perdre ton temps, c'est ce que Dieu m'a fait comprendre. Tu vas perdre ton temps, tu vas te distraire. Ne regarde pas ces hommes et ces femmes. Focalise-toi sur ta destination finale. Là où le Père t'attend, sur son trône. Là où le Maître t'attend. Et quand on voit le ciel, on pardonne à ses ennemis. On prie pour ceux qui nous persécutent. On bénit ceux qui nous maudissent.